Bon, ben voilà, nous voilà arrivés à Mérida. Ambre, elle m'a dit où elle est. J'en ai pour environ 10 minutes.
Bon, donc moi maintenant au milieu de Mérida, en train de traverser Mérida pour rejoindre Ambre sur le deuxième parking choisi, en fait sur le parking bleu, camping-car bleu. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on trouve comme solution. Pour le moment, apparemment, il y a un gars qui lui a autorisé de rentrer. Le gars à l'entrée, il a dit, mais elle peut rentrer comme ça en attendant que j'arrive et qu'on trouve une autre solution, parce que je n'ai pas du tout envie de payer 12 euros pour 24 heures, et puis je n'ai pas besoin nous n'avons pas vraiment besoin de tout ce qu'il propose là. Ben, on verra bien comment ça se passe. Nous voilà arrivés à la barrière, barrière fermée. À droite, il y a une petite guérite, il y a un monsieur là-dedans. Je cherche Ambre, je cherche Coquelicot, je ne la vois pas. Je lui envoie un petit WhatsApp pour voir où est-ce qu'elle est partie. Voilà le monsieur qui arrive, apparemment il est intrigué, mais oui, mais moi aussi je le serais, hein. Ça fait quelques minutes que je suis arrêté, le moteur tourne, j'attends, le monsieur il arrive, il m'amène un bout de papier en français, hein, voilà quand même, avec tous les tarifs, en fait c'est 12 euros les 24 heures, hein. Pour les 12 euros, on peut faire les ablutions gratuitement, mais l'électricité, c'est 3 euros en plus. J'essaye de lui expliquer que mon amie est déjà arrivée il y a 10-15 minutes et puis elle doit y être garée quelque part. Là, il me dit, eh ben bon, j'ai embauché qu'il y a 10 minutes, donc je n'ai pas vu passer. Eh bien, on attend Ambre, parce que moi, je n'ai pas envie de payer 12 euros. Hein, et puis, je ne sais pas si je peux me faire comprendre par ce monsieur qui est certes très gentil, mais qui ne parle pas un mot français ni anglais. C'est le parking où il y a les bus au milieu? Ben oui, mais le monsieur, il est arrivé, il m'a donné le papier avec les tarifs, il m'a dit il a embauché il y a 10 minutes, donc apparemment c'est pas le même monsieur que celui que tu as vu. Ok. Bon, alors Ambre qui arrive là. Bon, on la voit. Voilà, vous allez la voir arriver là tout de suite. Et ben, on va se trouver un autre endroit parce que, ouais. On va voir si on peut se garer ailleurs.
Et il faut d'abord Cambre tente de pouvoir sortir sans payer les 12 euros, c'est surtout ça. Hein? Bon, ça y est, on a trouvé un autre endroit, un sauvage, un joli parking. En tout cas, sur les photos, c'est très joli. Et bah, c'est reparti, faire demi-tour. André retourne chercher Coquelicot. Et on va se rejoindre au nouvel endroit choisi, avec un petit parc à côté où Domino pourrait se balader, Cassie aussi. Et ben, l'inconvénient, le premier parking que j'ai trouvé, c'était pile poil ben, juste à côté de l'hôtel où a lieu la convention. Ben, c'est pas possible. Donc là, c'est le deuxième endroit. Ben, on va pas rester non plus parce que 12 heures, c'est quand même. On va rester quand même tout le week-end. On est jeudi, ça fait beaucoup de sous hein, pour le week-end. Et maintenant, ben, troisième endroit, on sera à environ 10 minutes à pied de l'hôtel où se passe la convention. Ça y est, c'est reparti. Voilà un parking beaucoup plus joli qu'en plein centre-ville. Il y a même des ruines romaines.
Allez, on va s'installer et on va attendre tranquillement pour Coquelicot et Cassie et bien évidemment Ambre aussi, hein, avec, sinon ça ne va pas le faire. Donc là, en fait, Christine est en train de m'attendre parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à sortir du parking. C'était pas le même employé, il a voulu me faire payer. Moi, j'étais pas d'accord pour payer parce que son collègue m'avait dit, bah non, 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 vous attendez votre ami tranquille, vous ne payez pas puisque vous ne restez pas. Alors l'autre, il est tenté de se justifier en me disant, mais oui, mais il est nouveau, il s'est trompé, patati patata. Oui, mais bon, je parle assez espagnol pour me défendre. Donc, Christine a dû m'attendre un petit moment. Et enfin, j'arrive. Je vois où elle est placée. Ça n'est pas super top top, même elle, ça ne lui plaît pas. Et donc, on a choisi de se mettre plutôt le long de la route, tout simplement. D'accord. Bon, on est passé par toutes les températures. Là, hein. Je crois qu'il n'y a que deux. Hein. Et il n'y a que toi. Hein. Là, il dort. Non, les non, deux. Non. T'inquiète. Maintenant, ça va, je suis blindée. J'ai l'habitude avec le Eagle. Là. Ouais. Non, mais franchement, oui, et aujourd'hui, on est passé par toutes les températures. Quoique ce matin, ouais. On n'a pas eu trop froid. Ça va. On là, a eu beaucoup de pluie. Je suis sortie avant de me coucher, je sais pas, il était 1h du matin ou quelque chose comme ça. Mm. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, mais c'était pas un vent froid. Non. Il était plutôt chaud le vent. Je me suis dit, tiens, c'est le vent du Sahara ouais. qui remonte. Et là, là, tout à l'heure, en arrivant, on a eu du vent chaud aussi. On a eu un petit peu de pluie. Ouais. Et là, il fait lourd. Il fait là, très il fait lourd. Très lourd. Il fait très le lourd. Ciel est tout gris. Ouais. C'est désagréable. Donc voilà à peu près la météo. Est-ce que tu as la température, Madame Météo? Pas en tête. Hein. Non, tu l'as pas. Pas en tête. Non, j'avais regardé ce matin. Ce matin, quand on partait de Bagnos, c'est pas bon parce que maintenant on est à Mérida. Non, je te dis, la température à Mérida ce matin ouais. c'était 15 degrés, mais on n'était pas encore là et maintenant il fait beaucoup plus chaud. Et je viens de penser pendant que tu disais ça, ce n'est pas la peine de me demander quelle est notre étape, il n'y a pas d'étape, non. Nous sommes plus que sauvages là. Hein, je le redis, je le dis, je le redis. Voilà, nous sommes plus qu'en sauvage, ouais. je sais même pas. Ouais. Si on va pouvoir passer une ou deux nuits ici, quoi. Veremos, comme avec, on dit. Hein. Avec un peu de chance, tout le week-end. Oui, ça serait pas mal. Mais sinon, on changera de, rue. Ouais, et puis voilà, parce qu'on a plein de rues comme ça. On fera toutes les rues de Mérida. Non, peut-être pas toutes. Parce que je suis passée dans l'hypercentre. Hein. Je suis passée, mais vraiment, juste entre les voitures qui étaient garées. Tranquille, hein. C'est pas où, toi, pour pas être passé par le centre. Par l'hypercentre, bah parce qu'encore mon GPS, je sais pas ce qu'il m'a dit. Mais si, c'est pour aller jusqu'au commissariat de police là-bas, se garer dans, ah oui, dans là, l'impasse oui. là-bas. Ah, c'est dommage parce que ce parking-là était super pratique, l'hôtel était pratiquement en face. Et puis l'hôtel on était surveillé par la police. Oui, il y a la convention et était pratiquement voilà. en face et surveillé par la police. C'était dans un des commentaires aussi oui. que c'est un parking police. Mais comme le policier m'a dit, ben, je fais enlever toutes les voitures. Et oh, là, il y aura oui. de la place pour oh, vous. Ah, j'ai dit, oui, mais on est deux de camping-car. Bon, ben alors, j'enlève tout le monde. En gros, c'était ça la taille du parking. Quoi, voilà. Ah, mais c'est vrai, t'es bon, pas, t'es pas moi, aujourd'hui, je suis contente parce que pour le moment... Alors, hier, on n'a pas eu de problème. Avec quoi? Avec rien. On n'a pas non. eu de problème. Non. Rien. Non, rien du tout. Non, non. Mon convertisseur a un petit peu été... merdouillé, ouais, capricieux, mais, bon, mais ça a là, été... Là. Toi, tu n'as pas trouvé de GPL, mais c'est pas encore l'urgence de l'heure. Ben, ça y est, c'est fait. Ah ben voilà, c'est et ben voilà. Aujourd'hui. Donc, ouais. on va voir comment on va finir la journée. Et à la station service, j'avais un Foxy à côté de moi. Encore. Ben vraiment. Non. C'est vrai qu'à force, à force de tendre le bras en l'air, les vieilles personnes comme moi, ça fait lourd. Hein. Mais voilà quoi. Non mais des rapidos, j'en ai ras le bol d'en voir. C'était vraiment un Foxy parce qu'en fait, c'était le modèle... moi j'ai le 986 et c'était le 987. Elle est tellement contente de voir chaque. Ah ouais. À chaque à virage, il y a un Foxy, elle est contente. Mais ça, c'était un vrai Foxy. Elle s'attache à des trucs. Vous savez, les gamins, ça s'attache à des trucs, bah, des fois, ouais. à des tout petits trucs. Là, c'est un truc de 3 tonnes 5 quand même. Hein, voilà. Bah, ouais. Son joujou reconnaît tous les Foxy de la Terre. Ouais. Bon, enfin, bref, ça a été une belle journée. Pour ouais, le moment, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a rien non. eu.
Parce qu'arriver en étape et de ne pas avoir l'étape, ça, c'est vraiment pas un souci. Je suis pas la première fois, certainement non. Pas la dernière fois. Non, ça permet de tomber sur des policiers sympathiques, ouais. Parce que le monsieur a été très, très sympa. Ouais. J'ai discuté un petit moment avec lui, très, très bien. Et puis là, on va tenter de finir la journée sans aucun problème. Maintenant, nous allons cuisiner. Christine va faire des gâteaux de semoule. Moi, je vais faire un taboulé pour la convention demain, qui commence demain. Voilà, demain, voilà. Premier rendez-vous à 13h30. Je viens de réaliser le pique-nique sous la pluie. Non, l'organisatrice en chef nous a promis du soleil. Alors voilà, ouais. Si elle ne tient pas sa promesse. Bon, allez, alors, je suis pas une centaine de personnes qui vont lui tomber dessus. Ouais, je fais plein de gros bisous. Je fais plein de gros bisous à tous les chéris qu'on a rencontrés encore une fois. Vraiment, c'est toujours très, très, très émouvant. Je fais des bisous à la famille chérie qu'on a rencontrée, à tout le monde. Ouais. Et je suis sûre qu'on va en rencontrer encore. Oh, certainement. Ouais. Certainement. Ça nous a beaucoup touché quand c'était en France, mais là, je sais pas, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce qu'en plus, il y a Michel et Alain qui nous ont trouvés, qui sont venus exprès chez Manuel pour nous trouver. Moi, je trouve ça génial. Et en fait, comme j'ai dit à Michel et Alain, ils ont vraiment... la vie, elle est parfois bizarre, hein. Parce que normalement, on devait partir la veille et nous ne nous sommes restés, Christine est restée, que parce que moi, je voulais attendre l'adaptateur de gaz, propane, etc. Sinon, on n'aurait pas fait la connaissance de Michel et Alain. Et puis, ils sont arrivés au bon moment parce que toutes les deux, on était en train de tout remballer, ranger les câbles, le fil électrique et tout. Quand j'ai entendu le bonjour de Michel, j'étais en train d'enlever mon câble électrique central. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on vous fait plein de gros bisous. Oui. Bon, deux jours, sans souci. Yeah! À demain! Ciao, ciao!